Salut Internet, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo qui était sortie la semaine dernière où je paye un escroc sur le bon coin avec des billets de Monopoly. Avant de passer à la vidéo, je tiens fortement à ce que vous alliez voir le clip de Fafa dans lequel je suis présent. Le lien est dans la description et la musique est plutôt pas mal. Je la regarde, je l'en sors. Donc comme vous avez pu l'apercevoir dans la vidéo précédente, j'ai donné rendez-vous à un mec qui semblait vendre un iPhone 11 avant la sortie officielle de ce téléphone et je lui ai donné rendez-vous pour voir si la boîte contenait l'iPhone 11 ou s'il essayait de m'arnaquer. Étant sûr que ce dernier voulait m'arnaquer, vu que l'iPhone n'était pas encore sorti, j'ai donc décidé de le prendre pour un con et de le payer en billets de Monopoly. Mais on ne va pas s'arrêter là. Et vous allez voir dans la vidéo qu'il va payer pour ce qu'il a fait et que sa sentence risque d'être irrévocable. Je vous laisse regarder la vidéo dans son intégralité pour que vous compreniez jusqu'où nous sommes allés avec ce personnage. En attendant, on se retrouve à la fin pour une petite conclusion et j'espère que le piège que nous lui avons fait lui servira de leçon pour ne pas recommencer plus tard. Ciao. Bonjour. C'est bon pour le téléphone ? Pour l'iPhone ? Ouais. L'iPhone 11 ? C'est ça. Ouais, c'est moi. Comment ça se fait déjà que vous avez l'iPhone 11 avant tout le monde ? Parce que à la base, on a des téléphones, on les reçoit, c'est les testeurs. C'est une boîte d'iPhone 7, ça ? Ouais. Ouais, parce que j'ai pas pu sortir la boîte aussi. Vu qu'on les reçoit par testeur, on les reçoit par boîte toute fine, blanche. Enfin, je peux l'ouvrir pour voir comment. Non, mais après, donnez-moi les sous et après vous rentrez et vous l'ouvrez parce que c'est jamais. Ah, ouais, non, pas comme ça, je vais pas prendre un téléphone si je sais pas qu'il marche. C'est normal, ça c'est le truc pour enlever la puce, bizarre quand même. Hein. Bah bizarre, je sais pas si c'est toi ou moi qui c'est bizarre. Bah c'est un peu toi quand même, parce que je viens au final, tu vois, que des collègues à toi, je trouve ça bizarre un peu. Ah bah oui, voilà. Ça va quoi l'équipe, collègue? Tranquille? Bien, ça va? Tranquille où? Steven? Je le sens. Ça va quoi? Pourquoi il a des gants? Ouais, mais... Il me dit qu'il a des gants parce qu'il travaille chez Apple, ouais. Et que ça crème pour les empreintes. Tu capes? Ah, il me donne des sous et après tu crois tout ça. Mais vas-y, donne-lui des sous. Moi je te donne 1700, 2000. Tiens, 1700 euros de bénéfice. Mais tiens, top. Je te l'ai fait. Ça, bah, va te faire une petite partie de Monopoly là-bas. Et l'iPhone, tu l'oublies, t'es un fou. Attends, tu me donnes 300, je donne 1700. T'es un fou, moi je. Mais non, mais. Alors, tu sais ce qu'on fait. Non, pas vu. Tu sais ce qu'on fait. Est-ce que tu prends la carte bleue? Non, je prends pas. J'ai la carte bleue sinon. J'ai la carte bleue Monopoly. Tu veux ou pas? Non, non. Soit tu montes le téléphone, soit on va au commissariat avec les images maintenant. Si c'est vrai, je te jure que si dedans il y a un iPhone 11, je te promets. Que frère, la vidéo on la sort pas, on va pas au commissariat et tu sais quoi, je m'excuse, je te laisse le téléphone et je te donne 300 euros, gratuit. Je l'ouvre. L'iPhone X rentre pas dans la boîte déjà. Je l'ouvre. Tu sais quoi, je te le donne. Non, on va le mettre devant tes yeux. Il est chelou lui. Bon, jusqu'à là, ça va. Rien d'anormal. Jusqu'à là, rien d'anormal. Ça va. Déjà, je sais même pas s'il y a pas de contrôle. Jusqu'à là, bon, il y a pas les papiers dedans. Il a même le stocko là, tiens, ça je le prends pour moi. Merci. Oh, tu te prends pour un con quoi? C'est l'iPhone 3GS! L'iPhone 3GS, frère! Frérot, tu prends ma gueule! Je me suis trompé quand j'ai mis là-bas! Non, tu vas sérieux! Je me confonds! Ouais, j'ai été trompé! Regardez-moi ça! Pierre, tu payes dans la boîte! Dis-moi, j'ai dû prendre une mauvaise boîte, je me suis trompé! Non, tu me dis la vérité, s'il te plaît, sinon on va aller au commissariat avec l'iPhone 3GS, là on a tout! Non, je me suis trompé de boîte! Il manque le temps, il est explosé! Oh, il est vraiment explosé! Il a du vécu ton téléphone! Tu connais comment? Qu'est-ce qui va se passer? Tu connais les petits comptes? Tu connais comment? Tu connais? C'est sur le commissariat, soit tu viens avec moi. Mais pourquoi faire? Bah, tu verras, c'est ça. Arrête chipoter. Nous, on va rien te faire de méchant, rien de grave, pas de violence. Il connaît déjà les vidéos, donc. Mais voilà, tu vois, il n'y a pas de violence dans nos vidéos. Par contre, voilà, moi, mon but, c'est que tu recommences pas. Tu as essayé de me niquer. Malheureusement pour toi. Toi, je te mets tout ce que tu veux, je suis foutu. Bah voilà, il connaît mieux les règles que nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'emmener faire du saut à l'élastique. Il est content. Tu peux rigoler, oui. C'est mon rêve. C'est son rêve, apparemment. Il aime le saut à l'élastique. Donc, on va y faire du saut à l'élastique. C'est cher en plus, ça. Tu me payes le saut à l'élastique. Tu payes le saut à l'élastique. C'est tu sais que tu peux enlever tes gants. Non. Ouais, toi aussi, ouais. En cas, je reviendrai trouver un iPhone 2. Si ça t'invite en parachute, tu verras. Bon. Il cherche. Donc, comment faire aux vidéos, vous allez faire quoi? Le seul truc, c'est que tu auras les yeux bandés. Les yeux bandés, c'est pas la même sensation. Ouais, mais non. Mets-les maintenant. Enlève tes lunettes, s'il te plaît, et on te met ça. Allez. Maintenant qu'il a les yeux bandés, on va monter en voiture. Et on va t'amener faire du sol élastique, tu es content? Parfait. Allez, on y va, c'est parti. Les gars. Allez, un gars, go. Ah, frérot, c'est pas le vidéo. Attends,
le guider parce que sinon on a jusqu'à la videra. On le fait monter. Bâtard et Eddy, vous prenez la voiture parce qu'on ne pourra pas tous monter. Ok? Tiens, vas-y, monte. On te laisse la face de devant déjà. Donc les amis, pendant que Steven est parti avec le soi-disant vendeur d'iPhone 11, bon, nous on a son sac parce qu'il avait les yeux bandés, donc du coup on a récupéré son sac. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, lui il croit qu'il va faire un sol élastique, mais rien à voir. En plus, il est content d'en faire, mais rien à voir, il va pas faire un sol élastique. Au lieu de sauter dans les montagnes comme il le croit, il va sauter ici. Donc là, on met tout en place, c'est presque fini. On va appeler Steven, on va lui dire que c'est bon. Et après, l'autre, on va le faire venir ici et on va lui faire croire qu'il va sauter dans le vide. Voilà. Là, il sait pas où on est. En fait, on a fait point A, mais il croit qu'on est un peu... Garde-toi. Allez, mon ami. Il a même pas mis la clim, ton collègue. C'est normal. Tu crois que tu as le mérite? C'est tard, fait chaud. Tu sens l'air frais? Tu sens l'air frais des montagnes? Non, c'est toujours aussi chaud. Allez, let's go, on y va. Là, on est avec le monsieur qui va te faire sauter à la corde. Bonjour, monsieur. Star, moi. Bonjour, monsieur. Voilà, bah, c'est ce monsieur-là qui va sauter. Tout me touche, là. Du coup, c'est vraiment qu'il a le visage. Oui, c'est une surprise. Hein? C'est le moniteur. Ah ouais, c'est une surprise, monsieur. Ouais, c'est une grosse surprise. Je suis un peu la star de la vidéo. Bon, vous voulez bien me suivre et faire ce que je vous dis? Ouais, totalement. Montez la jambe droite déjà, s'il vous plaît. Ah, vous m'accrochez pas, genre? Si, on va t'accrocher sur l'estrade. Faut monter. Ah. Après, on vous ouvre, hein, vous inquiétez pas, il y a une sécurité pour ça. Voilà. Alors, fait, tu paieras l'iPhone quand même. Voilà, donc là, vous êtes tenu, monsieur. Moi, j'ai peur du vide en plus, moi. J'ai une petite condition. Je vais te demander qui c'est le meilleur pronostiqueur de France. Et tu vas me dire, c'est Trilonair Prono. En plus, ça, je fais la pub. Oui. Tu me payes? Qui c'est le meilleur pronostiqueur? Ouais, c'est Trilonair Prono. Trilonair Prono? Prono. 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 Trilonair Prono. Tu aimes les paris sportifs? Qui faut que tu vas pas sauter de 150 mètres, toi? Tu aimes les paris sportifs? Ouais. Bah, même toi, tu pourras le rajouter. Sur Snapchat. Tu rajoutes Trilonair Prono, d'accord? Ouais. C'est qui? Trilonair Prono. D'accord, t'es prêt à sauter? Ouais. Monsieur, est-ce qu'il faut qu'il saute un petit peu parce que sinon. Parce qu'il y a encore un petit rebord, mais faut que tu le sautes. Faut que tu sautes 30 cm. Voilà. Monsieur! C'est vous qui donnez le top? Oh mon dieu. Quand tu veux, mec, t'es plus trop sûr, qu'est-ce que tu hésites? Bah ouais, c'est un peu haut. C'est un peu haut? Ouais, mais. 150 mètres, c'est énorme, hein? Alors, vas-y. 3, 2, 1, allez, go! Oh putain! On est sur les montagnes de. Ouais. On est sur le Mont Blanc. Oh, je me suis fait mal et tout en plus. On est sur le Mont Blanc. Mets-moi tes gants, voilà, mets tes gants. Il veut pas enlever les gants, il veut toujours pas enlever les gants. Bon, regarde la corde. Cadeau, cadeau. Oh, il a fait un plat, il a fait, mais magnifique. Bon, allez, vas-y, là, tu vas te déranger, vas-y, partout. Ah, tu te crois chez toi ou quoi? Tiens, casse-toi. Vous allez voir. Vous allez voir, tous ils disent, vous allez voir. Maintenant, tu peux rentrer chez toi. Là, vas-y, les bouts, avec tes gants, durer des carottes, tu vas attraper, touche pas. En tout cas, les gars. Vous êtes quand même des belles Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez vu, on va récapituler. On est tombé sur un escroc qui vendait un iPhone 11, mais en fait c'était un iPhone 3GS en avant-première, à moitié prix sur le bon coin. Donc voilà, on n'a pas trop été méchant avec ce monsieur. En plus, il nous connaissait par rapport aux vidéos. C'est vrai que maintenant on commence à être pas mal reconnu, donc ça va être de plus en plus compliqué de faire des vidéos dans ce genre là et comme vous avez pu l'apercevoir, on l'a fait sauter dans la piscine, hein, alors que lui pensait qu'il allait sauter de 150 mètres de hauteur en faisant un saut à l'élastique, ce qui n'était pas du tout le cas. J'espère que ça lui servira de leçon et j'espère aussi qu'il ne recommencera plus. Avant de vous quitter, je vais vous parler des vêtements Camoff qui sont disponibles uniquement sur www.futuratech.com. Il y a des shorts, des t-shirts, vous connaissez l'histoire. Si vous voulez porter notre marque et si vous aimez nos vêtements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site et ils sont disponibles que sur ce site, pas sur d'autres sites. Ne vous faites pas arnaquer vous non plus, s'il vous plaît. Le message que je vais faire passer en faisant cette vidéo, c'est de faire attention quand vous commandez sur internet, quand vous commandez sur des sites ou quand même vous allez sur le bon coin. Tous les gens qui vous disent oui, j'ai ça en avance, oui, j'ai ça tombé du camion, oui, c'est. Faites attention, ne commandez pas, prenez que des choses officielles en magasin avec une facture et une garantie. Sinon, la plupart du temps, vous risquez même de vous faire avoir. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera peut-être une expérience sociale, peut-être une caméra cachée, peut-être un coup de gueule.
On ne sait pas, mais en attendant, chaque mercredi à 18h, on sort une vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci à tous les gens qui s'abonneront à la chaîne YouTube. On est plus de 555 000 sur la chaîne à l'heure actuelle. Merci du fond du cœur et on se dit à bientôt pour de toutes nouvelles aventures. Ciao !